Bah. Sauf que. Yes. Réveille-toi, je peux pas te parler là en fait. Ne perds pas de temps. Le maréchal Cotaloun attend toi. Je n'ai pas le. Tu veux autre chose? Non, je veux. Non. Je dois y aller. Oh. Je veux parler à elle, mais je peux pas! Ça me propose pas le dialogue! Réveille-toi! Quel enfer! Bon. Je ne sais pas. Bah, je suis déjà sorti rentrer de la salle, on va sortir rentrer encore plus loin, mais. Ça m'a bien servi! Et je veux quand même te parler. Non mais reste là. Elle arrive. Parler à des cas. Putain, pourquoi le jeu est aussi buggé sans déconner? Bon bah voilà. On fait quoi là? Tenter de refresh, voilà, on refresh. Ah, j'ai cuit à petit feu dans cette tenue. Le chef a dit que tu devais parler à Deka. Oui, je suis au courant. Eh bah putain! Dis que tu as quelque chose pour moi, une arme pour t'aider dans ta mission. Tu vas quel enfer! Pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôdent sur la route. Et des éclaireurs de Régala ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ce ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord vers les collines. Quelle galère! Tu pourras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les 10 guident ton arme à l'œil. Attendez. Hop. Bon, les arcs de précision sont des armes à longue portée, puissantes et très précises. Ils offrent une précision réduite lorsqu'ils sont utilisés quand vous êtes en mouvement. Si je veux récupérer. Je vais devoir jouer le jeu des carreaux. Je devrais aller retrouver le maréchal Cotalo à Garde-Pierre. Ce sera plus Allez. Rapide à dos de machine. On y va. Ça va être loin. Ça va être loin.
J'ai cru que c'était la plage. J'étais en mode... Oh ! Ah mais en fait il avance tout seul ! Oh ! Regardez ! Ah non, là il va plus tout droit. Il allait tout droit à un moment donné, mais là il va plus. Regardez ! Ouh ! Alléluia ! Est-ce qu'il y aura un jour des vidéos en 4K sur la chaîne ? Il y en a déjà eu. Quand il y a besoin, quand c'est nécessaire, oui. Autrement, non, pas besoin. Ça sert à rien de faire du 4K si le truc qu'on met n'est pas en 4K. Hein. Oh my god. Alors. Quel enfer, comment je passe là ? Voilà, comme ça. Ouais, je suis concentré. Je sais pas, je trouve que la 1080 bave un peu sur une TV 4K. Oui, mais... Justement, vous comprenez pas ce que je dis. Les jeux qu'on joue ne sont pas en 4K. Donc ça ne sert à rien de les streamer ou de les rec en 4K. Je peux vous sortir une vidéo en 4K, vous aurez la même qualité que du 1080p. Déjà. Puisque c'est du 1080p natif. Comprenez ? Ça sert à rien, en fait. Ce serait juste de l'upscale et du coup... Enfin... Ça ne changerait rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai déjà fait des trucs en 4K, mais c'était des trucs... qui étaient... faits pour la 4K. Yes. Ah bah yes, on va être ravis. C'est bon la pêche, hein. Je suis pas dans vos embrouilles, moi. Foutez-moi la paix, hein. Je suis absolument pas dans vos bails, hein. Foutez-moi la paix. Pas un pas de plus. Les Ténac n'acceptent pas les étrangers sur les terres des clans. J'ai reçu un droit de passage du maréchal Fachav. Je ne viens pas me battre. Ses cheveux de sang. C'est la guerrière qui a vaincu Groda, le champion de la traîtresse Regala. C'est pas à nous de prendre sa vie. Tu peux entrer, mais ne fais pas de vagues. On t'a à l'œil. Très bien. Je tâcherai de m'en souvenir. C'est sûrement garde-pierre. Kotalo doit déjà m'attendre. T'imagines ça, simplement de passer sur ça, moi j'y arrive pas. Hein. Il est bien leur village là, j'aime bien. Sympa leur village. Voilà Kotalo. Et adieu. On t'a à l'œil. Ah bah on peut remonter. T'inquiète pas, c'est les squads hibou. Ils redescendront pas tant qu'ils n'auront pas chassé tous les grimpeurs. Et c'est par un éboulement qui va les arrêter. C'est une blague. Il y a un ponton, frérot. Pourquoi tu peux pas t'attraper ? Très sympa, j'imagine. Putain, vraiment, le système d'attrape dans ce jeu, je ne le comprends pas. Ah, c'est bon. Oh. Bon, j'arrête mes conneries, du coup. Je voulais faire genre, hey, j'arrive, je te fais tomber, lol. C'est moi qui suis tombé. Bonjour.
c'est pas content. Cette vallée est infestée de rebelles de Regala. Ils font passer des machines par là depuis des jours, d'après nos éclaireurs. Ils les chevauchent. Ou marchent à côté et ils pillent même leurs pièces parfois. Surtout les canons. Il ne sera pas simple de passer. On devrait y aller. On m'a ordonné de te mener au rempart pour que tu parles à tes côtés. Espérons que ça suffise. Pour que je parle à tes côtés ? Il me faut un peu plus d'informations. Bon, quel est le plan ? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de Regala en chemin. Nous allons devoir les écraser, ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours. Nous devrions y aller. Ok. Bon, je le suive. Suivre Kotalo. Il est parti. Je sais pas, t'en penses quoi ? Mais plus. C'est bien, mais c'est pas transcendant. Je trouve. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais passer une fois le. Une fois passé la révolution graphique qui est incroyable. Bah. Je trouve que le 1 était beaucoup mieux, quoi. Vous voyez, on a la preuve encore une fois que les graphismes ne font pas tout, hein. Cette vallée appartient. Le jeu est à des années-lumière de Pokémon Arceus, oui. Et pourtant je trouve Pokémon Arceus le bien meilleur. Hein. Des je me suis beaucoup plus amusé sur contre Pokémon Arceus. Les preuve que bon, ça fait pas tout, faut quand même que derrière ça suive. Il y a le jeu est pas mauvais, hein, mais je trouve que par rapport à par rapport au premier, je trouve que déjà la personnalité d'Aloy c'est plus du tout la même, on la reconnaît pas du tout. Moi j'aime plus du tout, elle est froide, elle est rebelle, elle est. Je sais pas, c'est pas Aloy. Je te suis. Pour commencer. Et ensuite, je sais pas, je trouve pas l'histoire giga prenante, quoi, par rapport à celle du premier. J'ai envie de me battre. J'espère que ça va bientôt bouger. Dépêche-toi. Faut qu'on rejoigne les autres. On fait aussi vite que je peux. Je me suis fait avoir. C'était impossible en fait. Allez, vas-y. Yes, super. Allez, faut lui péter son truc, on le sait. Allez. Pas équipé l'arc qu'ils m'ont donné, c'est pas faux. Attends. C'est pas faux. Et où est ce qui reste ? Continue vers le rempart. Ok. Compétences. Je vais les mettre là. Je vais mettre dans un autre slot. Non, bah à la place de mon arc actuel.
fait le taf, hein. Ces rebelles rassemblent des pièces de machine, peut-être pour procéder à d'autres piratages. Et tes côtés ne comptent rien faire ? Pourquoi se fatiguerait-il alors qu'il a le rempart ? C'est souvent ce qui lui arrive quand il décide de se concentrer sur les graphismes. Ça dépend des jeux, The Last of Us, quoi, tu vois. The Last of Us, voilà. Last of Us 2. Parfait en absolument tout point. En fait, je trouve qu'on reconnaît plus du tout à l'œil. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Je trouve vraiment qu'elle n'a plus du tout la même personnalité, en fait. Et je sais pas, je trouve ça bizarre. Pierre, tu as dit que les rebelles passaient par elle est plus antipathique ici. Bah ouais, de ouf. Alors qu'on l'avait suivi gamine et tout. Enfin, il y avait une vraie histoire, il y avait une vraie origin story sur Aloy. Là, j'ai juste l'impression de voir une espèce de montagne de muscles froide. Je suis en mode bon. Ça participe à mon indifférence un peu. Je trouve que les machines sont beaucoup moins au cœur du truc. Paradoxalement. Je trouve qu'il y a beaucoup moins le délire des machines et tout. Bon, ok, il y en a deux, trois, on en bute, on les esquive, mais je veux dire, l'histoire tourne pas autour d'elle. Non plus. Je sais pas. Je trouve pour l'instant, je suis moins dans l'univers Horizon, quoi. Ah, t'as 17h, ouais. Toi, là. Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Où les ailes des 10 nous trouveront. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. Il a donné le nom de code. Enfin rentré. Tu vivais ici, alors? Il y a très longtemps. Suis-moi. Le rempart. Suivre Kotalo. Let's go, let's go. Je suis. Qu'est-ce qu'il va vous dire, maréchal? Allons-y. Bon, c'est un accueil chaleureux. Pourquoi il a ? Une étrangère et un maréchal manchot. Un vrai festival. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi. Je sais pas ce qui était le pire. Quand il m'évitait ou quand il m'observait les yeux ronds. Dans l'immédiat, je prie. Ok, il parle, il a l'air de parler. Nous sommes venus voir tes côtés. Laissez-nous entrer. J'ai cru qu'il allait le démarrer. Le puissant fils du clan du ciel revient. Les 10 soient loués. Ton chef a ordonné que tous les candidats au cool route soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois.
Regala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messagers. Cette femme a vaincu le champion de Regala à Gruda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cette ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs, notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Regala. Elles se dressent déjà à tes portes. Mais Regala, c'est celle... Oui, d'accord, je vois. Et que sais-tu au juste des attaques que le rempart a essuyées ? Hello à ceux qui arrivent, ça va bien, ça va bien. Nos pierres. Je sais qu'il n'était pas destiné à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Hecaro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci tant que le rempart assurera notre sécurité. Ok. Je te l'ai dit, on ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ces hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes ? Tant que le rempart assurera notre sécurité, a-t-il dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Bombe avec panache. Elle est au pied du rempart. Elle n'est pas aussi robuste qu'elle pense tes côtés. Il faut que je descende à sa base pour vérifier. Nouvelle fosse de combat. Alors le rempart. Tu abandonnes déjà, étrangère. Tu perds rien pour attendre. C'est là-bas. Mais... Allez voir là. Il va falloir que je m'éloigne un peu du mur pour pouvoir le scanner comme il faut. Vas-y. Ah, j'aurais peut-être pu prendre le... Oui, c'est vrai que je suis descendu en mode... Allez, je dois scanner ce mur. C'est ce que je pensais. Il y a du métal coincé là-dedans. Toute cette roche m'empêche de scanner correctement. Je dois me rapprocher. Mais comment ? On dirait que je peux grimper sur le côté gauche du mur. Près de cette cascade. Ouais. Près de la cascade, vas-y, on va aller voir. Oh ! Ouais, c'est vraiment à certains endroits où tu peux monter, quoi. Non, c'est pas ça que je voulais forcer. Vous me dégagez un chemin en retirant ce rocher. Mais qu'est-ce qu'il me fait là ? Bon, et si je scannais à nouveau ? Un noyau d'énergie. Est-ce que tu feras un nouveau îlot trésor sur une carte ? C'est un sub-goal, c'est le sub-goal des 2000. Bon, je peux rien faire d'autre ici. Je ferais mieux de retrouver Kotalo. Ok, parle à Kotalo. Non, t'es sérieuse là ? Faut que j'y retourne, genre ? Il faut que je... Aïe. En fait, le fait que ça se déclenche pas tout de suite, c'est galère.
Approche. Faisons appel. Entendu. Bouge. Il est où? Merde. Je l'ai raté. Mais non, mais attends, déconne pas, il était en bas. Envie de mourir. Alors, commande n'existe plus. Non, pourtant je l'ai pas supprimé. Par les 10, mais qu'est-ce que tu manigances? Tes côtés a dit qu'il n'enverrait pas. Qu'elle a été supprimée par un modo. Je sais pas. Dans le rempart, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Bon, si vous voulez l'armée, vous pouvez. On va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part? Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches. Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez. Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? Voilà, vous voyez, c'est tout ce que je n'aime pas sur Aloy actuellement. C'est ce côté hautain, un peu... C'est une comparaison peu flatteuse. Je sais pas. Les rebelles possèdent peut-être un camp au nord-est. Et ensuite, on va tous les affronter à nous deux. Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Attendez, est-ce qu'on le fait maintenant, là? Parce que là, je vois, il est moins 10. Là, on n'est pas dans une longue cinématique ou quoi. On va aller voir s'ils ont des canons, mais... En effet. Tu vois, faudrait pas que... Vu qu'on va pas tarder à s'arrêter, là, faudrait pas que ça dure 1000 ans. Je m'en souviendrai. On s'approche du lieu où se trouvait un groupe de rebelles. Bon, les rebelles se sont dégotés une bonne puissance de feu. Marie ? On y va ! Je trouve que son tempérament avec le contexte de la situation. Ouais, peut-être. Peut-être en soi, mais je sais pas, moi je suis moins fan du perso, quoi. Je suis beaucoup moins fan du perso, du coup. Tu gères les autres. On y va quand tu veux. Ok, alors. Peut-être qu'il y a quelque chose par ici que je pourrais utiliser contre cette chose. Mon focus peut m'aider. Préparez-vous. L'attaque va débuter. Ce plan du ciel sera vaincu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. C'est vrai que ça fait plus de dégâts quand même. Je croyais qu'il s'occupait des... Putain, je croyais qu'il s'en occupait, genre. C'est une connerie, il s'en occupe pas du tout. Ah bon.
Oui, il a qu'un bras. Ouais, mais... Bon. Merci. Yes, super. J'ai tiré sur le mauvais. C'est bon, il est mort. C'est bon. L'un d'autre. Faut buter tout le monde alors que j'ai ce qu'il fallait. Ok. Il est passé dans un rocher encore. De transporter ce truc jusqu'au rempart. Tiens. J'ai plus qu'un bras, mais mon dos est encore solide. Très bien. Après toi. Après moi, Coco, on va surtout s'arrêter. On va aller save au feu de camp. J'étais bien battu là-bas. On va aller s'arrêter au feu de camp. Alors la mission n'est pas finie, mais ouais, on va s'arrêter au feu de camp là. L'élimination des rebelles et de leurs machines. Tranquillou pilou pour aujourd'hui. Et on se rendra, je crois que c'est mardi sur le planning qu'on va reprendre. Tu crois vraiment que cette chose me pourra faire comme c'est mardi. Yep. Bien. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on aura avancé. C'est bien. C'est bien, on aura avancé. Il est 17h, ça aurait été tranquillou. Tranquillou, pilou. Je mets ça ici, mets ça ici. Voilà. Bon, on verra où ça mène. Je sais pas du tout où on en est dans le jeu, d'ailleurs. Dans l'histoire principale, en tout cas. Mais on verra bien. Écoutez, on a bien avancé, toujours pas de plage. Toujours pas de plage, malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Session bien malgré quelques lags, bugs. Ouais, quelques bugs, quelques lags. Bon, c'est pas... Voilà. Après, bon, elle est pas... Moi, j'ai vraiment du mal avec son caractère. J'ai du mal avec le jeu en général. Je trouve qu'il y a un truc qui me freine dedans, je sais pas. Il est bien, mais je trouve qu'il vaut pas le premier, quoi. Je sais pas. On verra, ça va peut-être s'emballer sur la suite, hein. J'espère, parce qu'on est encore assez loin de la fin, mine, hein. On a qu'un truc sur 3 et tout, donc... Moi aussi, j'accroche pas trop le jeu. Bah, je sais pas, ouais, il y a un truc qui manque par rapport à... En y jouant, en plus, tu vois. Par rapport au premier, je trouve qu'il manque un truc, je sais pas. On verra, ça va peut-être arriver, je l'espère. Merci beaucoup d'être venu, en tout cas, pour cet après-midi. Et on se donne rendez-vous, je vous dis, alors, planning de la semaine prochaine, si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous le remontre, même si... oui, normalement, c'est celui-là que je vais annoncer. Donc voilà, donc lundi, on se retrouvera pour du Mario Kart. Mardi, on fera Horizon. Attention, ce sera de midi à 15h, parce que fin d'après-midi, ben, je vous en ai parlé en plus. Je visite possiblement mes futurs bureaux, il faut qu'on voit, mais voilà. Possiblement, on va visiter ça. Enfin, on visite possiblement les futurs bureaux, donc mardi, je suis pas là fin d'après-midi. Mercredi, Mario Party. Jeudi, Arceus, Shiny Hunting. Vendredi, sortie de Majora's Mask sur Switch. On y jouera bien sûr samedi prochain. Re-Horizon et le soir, Fallen Kingdoms. Donc voilà, planning plutôt varié et sympathique la semaine prochaine. Merci beaucoup, je vous souhaite un bon week-end. Et on se donne rendez-vous lundi du coup pour du Mario Kart, qui sera probablement en solo. On vous dit juste du petit Mario Kart, comme ça, histoire de se remettre dans le bain avant la sortie des cartes dans quelques temps là. Enfin, des courses dans quelques temps. Voilà. Des bisous tout le monde, et à bientôt. Ciao, ciao.